dramma, una drammaturgia. Shakespeare è un poeta, ecco, Marlowe è un poeta, Corneille, Racine sono dei poeti, quindi se ne prende atto come quanto tali. Questo libro mi ha modificato la vita, sì, tutti. Kafka, chi non modifica Kafka? D'accordissimo, ma a me avvenne con Ulisse di Joyce. Ma non è che si possa imitare Joyce, di questo un grande attore italiano del XX siècle, non solo italiano. Voilà. Son grand titre, c'est d'être acteur. Bien sûr, après, il était aussi metteur en scène, scénographe, décorateur, bon, tout, éclairagiste, preneur de son. Enfin, c'est une totalité presque universelle. Sur son texte, il a écrit, il y a quand même deux inédits, c'est-à-dire deux textes, un pour le théâtre, un pour le cinéma qu'il n'a jamais réalisé. Et c'est surtout achevé le troisième volume, enfin les œuvres complètes, par tout ce qui manquait dans les deux volumes précédents. C'est moi qui ai assuré l'édition. C'est un titre que j'ai donné, moi, à court d'idée, mais je trouve que ça tombe assez bien. Ça va très bien avec le tempérament extrêmement polémique de Carmelo, et les inédits, c'était ce que... justement, des choses qui n'ont jamais été... présenté par Carmelo au public, en fait, sauf en édition, bien sûr. Voilà. Il y a une introduction, une préface que j'ai écrite qui s'appelle De l'outrance, qui complète ce titre de polémique. Ce n'est que de la polémique, enfin, du début à la fin, même avant de mourir et même vis-à-vis de la mort. Et aussi, dans son interférence politique, en fait, la gestion, par exemple, que l'État pouvait avoir sur le théâtre, il a abondamment critiqué. Et dans ce troisième volume, il y a des moments, effectivement, de grande violence contre le théâtre d'État, en fait. Alors, il y a une grande structure littéraire. D'ailleurs, son premier ouvrage, son grand ouvrage, c'est Notre-Dame des Turcs, qui est à la fois un roman, une pièce théâtrale et un film. Il y a donc toujours une tension littéraire très forte chez Carmelo. C'est certainement le personnage de théâtre le plus cultivé que j'ai jamais connu, en fait. Réellement, enfin, une culture qui lui servait immédiatement aussi. Pas cultivé pour être cultivé, enfin, c'était pas comme ça, une mondanité, c'était quelque chose d'essentiel de lire, une mémoire là aussi incroyable. Enfin, voilà. Un moment très important de Carmelo, c'est quand même la lecture des grandes œuvres poétiques italiennes. Par exemple, la lecture de Dante, de Leopardi, et la redécouverte en Italie de Dino Campana, qui était un poète complètement oublié, inconnu, italien, qu'il a fait ressurgir tout à coup au milieu des années 80, en fait. Il avait une manière de dire la poésie qui était une manière de la construire sur scène. C'est vraiment un renouvellement total de la dramaturgie, pas seulement italienne d'ailleurs, c'est vraiment le plan dramaturgique qui est complètement brisé, cassé et refait. Il est dans quelque chose qu'on pourrait appeler éventuellement le grotesque, mais avec beaucoup de guillemets. C'est une mise en discussion totale, justement, du tragique, comme du comique aussi, c'est très mélangé. C'est tellement insolite, tellement un lieu non commun qu'il faut absolument en témoigner, le retenir, hein, le retenir, voilà. Il y a deux grands moments, fondateurs chez Carmelo, c'est Pinocchio et Hamlet. À partir d'Hamlet, ensuite, il y a toute une remise en place de Shakespeare. Il ne fait pas Shakespeare, il fait quelque chose qui est Shakespeare comme point de départ, parce que c'est un des grands moments du théâtre occidental. Enfin, de même que Pinocchio est un des grands moments de ce que Carmelo supposait de l'acteur, c'est-à-dire un pantin. Acteur, puisqu'il naît pour ça, le pantin. Donc ce sont ces deux figures
qui synthétise pour lui le théâtre, en fait. Oui, jouer le rôle, toujours. Ce qui est drôle, c'est qu'il commence à aller à une compagnie théâtrale très importante, et puis petit à petit, il finit seul sur scène, enfin, parce qu'il comprend, enfin, il se rend compte que ce n'est plus le même théâtre qu'il est en train de faire, enfin, et qu'il ne peut être que seul acteur sur scène. Inoubliable dès que tu le voyais en scène. Il pouvait être insupportable, mais quand tu le voyais en scène, c'était fantastique. Du mythe pur. Elle a joué dans un film de Pasolini. Il a joué dans une pièce d'Aldo Triunfo, mais c'est tout. Enfin, il tenait à faire son théâtre. Et il n'avait pas de répertoire. Il ne reproposait pas constamment les mêmes œuvres. En fait. Chaque fois, c'était un nouveau travail, même s'il a fait 7 fois Pinocchio, 7 fois Hamlet, en fait. Mais ça, c'est le propos du mythe, au fond, d'être après englouti dans des fanges différentes jusqu'au moment où on le retrouve. Ce qu'il y a de bien chez Carmelo, et c'est peut-être la première fois que ça a lieu dans l'histoire du théâtre, c'est qu'il y a quand même des témoignages visuels, sonores, extrêmement importants, en fait. Même si l'Italie, je dis l'Italie en majuscule, n'a pas fait le nécessaire pour tout sauvegarder. C'est anormal de s'occuper de tout. Enfin, bon, la transmission, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas d'héritage comme il n'y a pas d'héritage chez Beckett. Voilà, enfin, bon, c'est pas possible. Ils ne font pas d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut-on hériter? Ce n'est pas patrimonial, c'est matrimonial. Ah, il avait beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. C'était pas un tempérament joyeux, enfin, dans le théâtre. Enfin, il a inventé quand même cette fonction mécanique de l'acteur, enfin, l'actorialité, enfin, une espèce de quintessence. Qui n'a rien de métaphysique ou de psychique, l'acteur est une machine, enfin, compulsivement mise en mouvement, enfin, en acte. Et j'ai même travaillé 25 ans avec lui, et jusqu'à la mort. Enfin, ouais. Je ne voulais pas le voir mort, et il m'a dit qu'avant de mourir, viens, sinon ça sera trop tard. Voilà, et puis, voilà, j'ai passé les derniers 15 jours avec lui avant qu'il meure. Mais je ne l'ai pas vu mort. Je ne voulais pas. Non. Je l'ai connu après la phase cinématographique. J'ai connu Carmelo en 75. Juste au moment où, avant qu'il vienne à Paris, parce que je préparais sa venue à Paris, enfin avec dramaturgie, et donc je m'occupais de l'affaire du cas Carmelo Ben. Donc de 75 à 2002. Ça fait pas mal de temps. Ça fait 27 ans. Son nom à lui, Carmelo Ben. Magnifique. Carmelo, ça veut dire, en italien, il y a le mot Carmen, qui n'est pas Carmen, mais c'est le poème. Il y a Melo, qui est la mélodie, Melos. Donc Carmen, latin, Melos, grec, et ben, c'est bien, enfin, c'est ben, en italien on prononce avec deux b, ben, hein. Il y a cette prononciation géminée du b qui est très forte. Carmelo Ben, il a joué beaucoup d'ailleurs quand il joue, et qu'il arrive sur la verbe, ben, 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 ben.